Bonjour. Dans cette vidéo, nous explorerons la fonctionnalité « Examiner les travaux des étudiants » et le verrouillage d'une page distribuée. La fonctionnalité « Examiner les travaux des étudiants » vous permettra de verrouiller seulement les pages que vous avez distribuées à vos élèves et de les rendre disponibles en consultation seulement. Il est toujours possible de vous déplacer dans chaque dossier d'élève afin d'annoter directement dans les pages. Par contre, de cette manière, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités pour verrouiller la page. Nous vous suggérons d'utiliser l'application, puisque dans cette interface, vous pourrez voir, en caractère gras, les sections dans lesquelles l'élève a apporté de nouvelles modifications. Comme vous pouvez le voir, les deux espaces dans lesquels de nouvelles informations sont présentes sont bien en caractère gras. Pour examiner les travaux, allez dans l'onglet « Bloc-notes pour la classe » et sélectionnez « Examiner le travail des étudiants ». Vous pourrez sélectionner la section, la page et finalement l'élève pour lequel vous désirez examiner le travail. Vous pourriez utiliser les outils de dessin pour annoter le travail de l'élève ainsi que plusieurs autres fonctionnalités que nous verrons dans la prochaine vidéo. Lorsque vous avez terminé vos annotations, vous pouvez verrouiller la page afin que l'élève ne puisse plus y apporter de modifications. Vous pourrez en tout temps enlever le verrou afin que l'élève puisse poursuivre son travail.